Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui dans la correction d'un exercice qui est très important pour la leçon de la notion de la logique. L'exercice est là pour l'implication, pour la récurrence par l'implication. On va montrer les deux propositions. On va voir est-ce qu'on peut le montrer ou bien non. Donc pour la première proposition, allons que il existe ou bien pour toute x à supérieur ou égal 1, et pour tous y supérieur ou égal 1, on a x au carré plus y au carré plus xy moins x moins y moins 1 égale à 0. Ce qui implique x égale à 1 égale à 0 égale à 1. X égale à y égale à 1. Donc, nous avons la proposition ready. Encore les implications, et ça nous sera la proposition ready. Donc, maintenant, x et y se sont positifs. Ça veut dire qu'on a un supérieur à 1. Et donc, on commence. Alors, on a. Donc, on a x supérieur ou égal à 1. Et y supérieur ou égal à 1. On va écrire la première proposition de l'initiative au HP. Donc, c'est bon. X au carré plus y au carré plus xy moins x moins y moins 1 égale 0 implique. D'abord, on va faire un peu A. X plus B Y égale à 0. Ou ce qu'on a dit positif, on a dit positif, je n'ai pas dit que ça veut dire que ça veut dire. Et on a un peu de X au carré. On a un peu de X Y plus Y au carré moins 1 ou moins 1 et 1 au carré. Moins x. Ou bien, on a un mot qui est factorisé au moins, c'est un x plus y. J'ai qu'un mot égal à 0. Implique. Donc, on a un mot qui est factorisé au x, c'est un x facteur x plus y plus y au carré moins 1 au carré, c'est une identité remarquable. Il y a y moins 1 facteur y plus 1 moins x plus y. J'ai fait un mot égal à 0. Donc, on a qui m'a dit qu'on a le facteur commun, il y a x plus y, x plus y. Alors, x plus y facteur x moins 1 plus y moins 1 facteur y plus 1. Le tout égal à 0. Voilà. Et bien, on a un petit peu de l'écoute. A plus b égale à 0. Voilà qui est. من نقولوا هذه كتساوي 0 وهذه كتساوي 0 حتى نشوفوا واش هذه راها بوزيتيف ولا نيجاتيف وميم شوز بوغ هذه. اذا شنو غنكتبوا؟ نكتبوا هنايا اون. حنا شنو عارفين على اكس؟ عارفين على اكس راه سوبيريور ايكال 1. اكس سوبيريور ايكال 1 و ايكغيك حتى هو ايكغيك حتى هو راه سوبيريور و ايكال 1. Alors, x plus y sera supérieur ou égal 2. Et donc, on dira positif. Au bénis bel hedi, et x moins 1 sera supérieur ou égal 0. On dira que c'est le cas. Donc, on dira que c'est le cas. Il y a des positifs ou des positifs. Et donc, on dira positif pour positif, sera positif. إذن هادي تأكدنا بلي بوزيتيف نمشيو لهادي. دونك
Maintenant, Y supérieur ou égal à 1. Ça implique que Y moins 1 supérieur ou égal à 0. Et Y plus 1 supérieur ou égal à 2. Et 0 positif et 2 positif. Alors, جو داع ديالهم كيفاش غادي يكون؟ غيكون حتى هو بوزيتيف. اذا تاكدنا بلي هاد جوج بجوجهم بوزيتيف. اذا غادي نكملو امبليك اكس بلس ايغريك فاكتور اكس موان ايغريك ايغال زيرو اي ايغريك موان زان facteur y plus 1 égale à 0. Voilà. هنا شنو كنلاحظوا؟ هنا كيف ما كتشوفوا راه عندنا بحال الطريقه هذه. عندنا a a fois b égale à 0. اذا a égale à 0 ou b égale à 0. Même chose غنستعملوا هنايا. شي implique que x plus y égale à 0 ou x moins 1 égale à 0 et y moins 1 égale à 0 ou y plus 1 égale à 0. Voilà. D'où l'implication enseignée. هنا كما تلاحظوا قالولنا بلي x plus y كتساوي 0. هنا الى لاحظنا مزيان شفنا بلي x plus y راه اكبر او تساوي 2، يعني ما وصلش مره 0. اذا هذه راه خاطئه فوس. x moins 1 راه ديجا سوبيريور ايغال 0، اذا ممكن تساوي 0. اذا هنا ممكن نقولوا بلي x نرجعوا هاد ناقص واحد لهادشي تولي واحد. اذا x ايغال 1 اي هنايا y موانز 1 ها هي سوبيريور ايغال 0، اذا ممكن تساوي 0. اذا غنجيبو هاد الواحد هنايا غتقول لنا y ايغال 1. هنا y بلس 1 عندنا سوبيريور ايغال 2، اذا ما وصلش مره ل 0. اذا راه خاطئه حتى هي ما غتكونش. اذا هادشي نزيد واحد لابليكاسيون اخرى. اذا x راه ايغال y ايغال 1. اذا فوالا انطلقنا من داكشي اللي عطاو لينا، بقينا غادي نبلي زامبليكاسيون حتى وصلنا لداكشي اللي طالبين منا نوصلو ليه. الوغ نكتبو دابخي لو برانسيب دو لامبليكاسيون on a ou que c'est pour la proposition p x implique q x et voilà devant le deuxième exercice. Voilà deuxième question galoulina. Pour toute n appartient à l'ensemble n, on a 2n plus 1 est un carré parfait. Ceci implique que n plus 1 est somme de deux carrés parfaits. اذا غنمشيو من هادي غنطلقو من هادي غنبقاو غادي بلي زامبليكاسيون حتى نوصلو لهادي. اذا نكتبو هنايا on a 2n plus 1 est un carré parfait. Ça implique que 2n plus 1 égale à exemple a au carré. Voilà. Ça implique, nous allons nous n. N réalise a au carré moins 1 le tout sur 2. Voilà. Nous avons n chal katsawi. Nous avons nous n plus 1. N plus 1
égale. Déjà, n y est hédi, donc on a a au carré moins 1 sur 2 plus 1 égale, on a un mouhad le maqam, a au carré moins 1 fois 2 plus 2 fois 1 y est 2 égale le 2. هنا ا او كاري بلس 1 دابا خصني نبين هذا كيساوي واحد لو كاري بارفي. ici comme vous voyez ا او كاري تتكتب بالفورم ديال 2n بلس 1 سا في دير بلي شي حاجه كتكتب بالفورم ديال 2n بلس 1 كي دايره كتكون امبير. اذا هنا نكتبو اي اون ا او كاري سيكري سو لا فورم ديال 2n بلس 1 Alors, Melha est un entier, les repères, impair. On a déjà cherché le quinze a au carré impair, et dans a qui fait chaque coin, chaque coin impair taille. Alors, a est impair. Alors, on a que vous oubliez, il existe. واحد الكا لي ابارتي ا لونسومبل ان تيل كو ا ايغالا 2k بلس 1 فوالا. دابا هذيك البلاصه اللي حبسنا منها هنايا ا او كاري بلس 1 سور 2 نكتب هنايا بعدا ان بلس 1 ايغال ا او كاري بلس 1 sur 2 pour un haut a au carré bédi il y a 2k plus 1 le tout au carré plus 1 sur 2 égale donc addition identité remarquable 4k au carré plus 4k plus 1 au carré il y a 1 ou 1 plus 1 c'est 2 le tout sur 2. Voilà, هادشي égal. نحاول فوق نفاكتوريزي par 2 غتعطيني 2 facteurs 2k au carré plus 2k plus 1 le tout sur 2. Et si comme vous voyez, je peux factoriser par 2 et 2 غتمشي ليا مع 2 لتحتاني. هادشي égal 2k au carré plus 2k plus 1. Ici, je peux factoriser par 2. Ou bien, 2k au carré, rahiya. K au carré fois, non, plus. K au carré plus, k au carré plus 2k plus 1. Et il a la tumzien rahmin lena. C'est une identité remarquable. Donc, on est égal. K au carré plus K plus 1 le tout au carré. Et je ne peux pas dire que K au carré plus ou had haja au carré. Et donc, je ne n plus 1 la somme de 2 carrés parfaits. Et donc, je ne peux pas dire que le calbine est le même. Nous oublions n plus 1 et somme de 2 carrés parfaits. Donc, n plus 1 est somme de 2 carrés parfait. Voilà. Et il faut d'après le principe de l'application, on a l'expression, on a pour tous n appartient à l'ensemble n, 2n plus 1 est un carré parfait, et tu appliques bien. N plus 1 est somme de 2 carrés parfaits et on a terminé la correction de l'exercice 7.